Jean-Denis Laperrière a assisté à la conférence de presse donnée par la ministre du Revenu national Diane Le Boutillier sur le budget 2022. Voici ce qu'il nous a préparé. La ministre du Revenu national Diane Le Boutillier a présenté mardi dernier les grandes lignes du budget fédéral pour la région Gaspésie et les îles de la Madeleine. Parmi les points qui en sont ressortis, notons une hausse de l'aide de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus, mais pas pour les 65 à 75 ans. Pourquoi on a privilégié là, les 75 ans et plus? Parce que ce sont les aînés qui sont les plus vulnérables. Ce sont souvent les aînés qui ont le plus de difficultés avec leur santé. Tandis qu'on a mis en place, on a des programmes pour pouvoir aider des aînés qui ont un groupe dans lequel je ferai probablement bientôt partie. Là, dans les 65 ans et plus, où on met en place des programmes pour aider, puis peut-être garder nos aînés là, qui peuvent retourner, là, leur faciliter la vie pour retourner au travail. Donc, moi, là, il n'y a pas deux classes d'aînés. Ça, c'est un. Puis je pense que les 65 ans et plus, là, on ne doit pas parler en mal de deux classes d'aînés. On doit supporter là, nos 75 ans et plus. Ça fait qu'on doit être solidaire. Pour ce qui est du rail, le fédéral avait annoncé un investissement pour lutter contre l'érosion côtière sur le tronçon Port Daniel-Gaspé. Étant donné que ça va coûter plus cher, qu'est-ce que le gouvernement va faire? On va attendre, vous savez, au niveau des programmes d'infrastructure, c'est le gouvernement du Québec là, qui accepte là, puis qui fait l'étude des programmes d'infrastructure habituellement quand il va lider ce dossier-là, puis quand il priorise certaines infrastructures, on fait ses demandes au gouvernement fédéral. Donc, c'est du travail là, qui va se faire en concertation et en collaboration. La question de la pêche au crabe des neiges où le début de la pêche en Gaspésie commence selon la réalité du Nouveau-Brunswick a été abordée. Est-ce que ça va changer? Moi, je peux vous dire que depuis le mois de décembre, là, puis ça fait partie là, de la discussion puis de l'information là, qui a été transmise au premier ministre. Depuis le mois de décembre, que je travaille avec les industriels, les pêcheurs, les communautés autochtones. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai eu une rencontre que j'ai initiée avec les trois communautés autochtones de Restigouche, Gascapé-Guiag et Gastec, avec le ministre Miller, où au niveau des communautés autochtones, on sait que eux, la pêche. L'exploitation du permis, là, les retombées sont pour toute la communauté, étaient très insatisfaits de ce qui se passait, puis voulaient, eux, voulaient, là, tout le monde s'entendait, était prêt à commencer la pêche plus tôt. Puis dans les rencontres que j'ai eues, autant avec les industriels, les pêcheurs, les communautés autochtones, on s'était entendu au fait que, on allait, si la saison, pouvait débuter plus tôt, les trois premières semaines de pêche, on n'allait prendre aucun bateau qui venait là, du Nouveau-Brunswick. Comme j'avais parlé aux différentes parties, je leur disais, écoutez, si on était dans la situation inverse, on voudrait s'assurer, nous aussi, qu'on soit protégés. Donc, comment faire en sorte là, de... Puis c'est exactement ce que j'ai dit au premier ministre. Je ne veux pas là, déshabiller Jean pour habiller Jacques, là. C'est comment faire en sorte pour protéger autant les gens du Nouveau-Brunswick que les gens de la Gaspésie, qu'on puisse commencer la saison de pêche plus tôt. Puis je peux vous assurer que le travail va, pour moi, le travail va se poursuivre. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire avec les appâts pour le homard qui coûte plus cher puisque la pêche au hareng et au maquereau a été annulée? On le voit là, que le prix du homard. Comme le prix du crabe, c'est une question de marché. Les prix sont à la hausse. On le voit là, au niveau du produit. Puis on a un produit qui est exceptionnel. Donc, puis moi, je peux vous dire que il n'y a pas si longtemps, là, puis je recule là, peut-être là, 5 ans en arrière, je trouvais que c'était comme
ça avait comme pas de bon sens, là, que ça coûtait, comme je disais, ça coûtait moins cher manger du homard que manger un trio Big Mac, là. On avait un problème quelque part, mais il y a du travail là, qui se fait actuellement là, avec Pêche et Océan Canada là, pour voir justement avoir là, des apports qui soient là, de bonne qualité, mais qui soient peut-être plus accessibles au niveau des pêcheurs. Puis on le voit avec la rareté du produit aussi. Puis ça devient au niveau environnemental, je vous dirais que ça devient difficile à expliquer là, qu'on utilise un produit qui est comestible pour pouvoir attraper un autre produit qui est comestible. Donc, il y a du travail qui se fait là-dessus avec MPO. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.